suis Bob Lennon et qu'est-ce que c'est que toutes ces langues? Français bien évidemment parce qu'il y a tout et n'importe quoi, allons-y. Bienvenue, bienvenue sur Saiko no Sutoka. Oh, une yandere waifu qui a kidnappé Drago Malfoy. Drago Malfoy qui s'est fait kidnapper par une yandere, et c'est pas une dere-dere, hein, c'est même une yangire. Il y a différents types de waifu, il faut le savoir, braves gens, il y a des termes japonais pour ça, mais dans tous les cas, en français, tout se traduirait par psychotique. Elle est là, elle t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, jusqu'au bout du couteau, et elle a tué ton pote parce que t'as passé une après-midi à jouer à World of Warcraft, T'as joué à Minecraft une seconde avec, plutôt que de faire l'amour à ta copine. Sauf que tu savais pas que c'était ta copine. C'était ta voisine d'en face, parce qu'elle a déménagé pour habiter en face de chez toi, parce qu'elle était amoureuse de toi en fait. Mais qu'elle savait que c'était ta copine, mais toi t'étais pas au courant. Et donc forcément, c'est de ta faute. Voilà. Quoi de plus normal dans une relation homme-femme? C'est pour ça. Plusieurs modes de difficulté. Voilà, nous avons Yandere, c'est-à-dire que au début tu soupçonnes qu'elle est bizarre, puis tu rentres dans sa piole et il y a que des photos de toi de partout si tu veux, mais tout va bien, c'est principalement du sexe et de l'insécurité. Ensuite il y a normal, là elle commence à sortir un couteau et il faut planquer ta mère parce qu'il se passe des choses. Difficile, là elle commence à sortir un couteau et c'est toi qu'il faut planquer, voilà. Et Yangire, c'est elle ne veut que toi, ta mère ne l'intéresse pas. Et ça veut rien dire. Commençons une partie normale. Je ne sais pas jouer au jeu. Je sais que c'est un jeu qui existe depuis assez longtemps. En fait, la particularité de ce jeu... Oh, très bien ça. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est en fait... L'intelligence artificielle de la gonzesse qui te poursuit au couteau est vachement bien foutue. C'est pas Resident Evil 2 Remake ou Resident Evil 3, tu vois, avec Nemesis qui te course autour de la table et toi qui... C'est pas Phasmophobia, où tu sais, tu peux faire des tours autour de la table et en fait tout va bien si tu veux, voilà. Là non, ça se passe pas comme ça. Elle passe par-dessus la table, elle monte la table, puis après elle te monte toi, et pendant que toi tu la transperces, elle te transperce en fait. C'est une catastrophe. J'ai pas regardé les infos. Putain, je suis con parce que j'ai juste mis le comme un boulet, j'ai juste mis le mode ok, shift, utiliser, verrouiller, s'accroupir. Ok, d'accord, rien de... Vous pouvez garder qu'une seule clé à la fois. D'accord. Pouah. Oh, le lens flare, eh. Hiroshima. c'est ça. Nagasaki. Après la chute de la deuxième bombe, suite à la reconstruction de l'école publique qui a duré environ 24 heures, efficacité japonaise. Très bien, allons-y. Oh. Ah. Très bien. Waifu. Petite. Gentille waifu. Je waifu. Ouh. Pourquoi il y a déjà des taches de sang? N'essayez pas de fuir. Wise Wolf Hollow, d'accord, ok, d'accord. Les mecs, ils mettent leur personnage de Koikatsu dans le jeu, quand même. Mais Wise Wolf Hollow, c'est une vraie série, bah. Ouais, je sais ce que c'est, ouais. On peut pas l'ouvrir? Ah, c'est fermé, d'accord, je vois. Ok, alors attendez. Pour l'instant, j'explore. Donc la cafétéria est fermée à clé, très bien. Tout est fermé à clé, j'imagine. C'est fermé, ça? D'accord, c'est fermé aussi, d'accord, tout est fermé. L'école publique est fermée. Oh putain, pendant une seconde, j'ai cru que c'était des capotes. Les mecs, ils laissent leur bombe à eau traîner. Ok, d'accord. D'accord, donc l'école est en U, en fait. En U renversée. Avec deux ailes. L'aile ouest, l'aile est et l'aile centrale. Jusque-là, tout va bien. Salle multimédia. Oh putain. Couloir D. Escalier B, porte 8. Non plus. Bon, j'imagine qu'on va monter à l'étage. Allons-y. Mais excuse. Tout va bien. Ah bah là, je vois la vie en jaune fluo. Hein. J'avoue, le mec, il voit la vie avec un filtre Breath of the Wild. Hein. Putain. Bonjour, madame. Où sont vos chaussures? Vos chaussures, mademoiselle. Je peux pas
Je peux pas suivre des gens qui n'ont pas de chaussures. T'es une gitane. Gitane. Je peux pas la pousser dans l'escalier. Non, par contre, je peux zoomer sur ses attributs. Ouais, je te suis. Akudasai, tout ça et... À quel point je le regrette? Oh chier! Chier! Ah! Pas de panique! Pas de panique! Chier. Vous avez besoin de la clé pour déverrouiller cette porte. Je regrette rien. Je vais piquer la clé. Oh chier! J'avais pas de regrets, mais j'ai beaucoup de regrets désormais. Tout va bien. Ah, par contre, du coup, j'ai skippé le tutoriel. C'est pas une bonne idée en fait. En fait, je voulais comprendre comment le jeu marche, mais... Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là-bas! Oh, elle me stalk! Oh, c'est adorable! Bon, écoutez, de toute façon, on est dans le tutoriel et... Local technique. Ah mais c'est bien beau. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle. Bonjour. Ouais, bah vas-y. Vas-y, meuf. Meuf. Arrête de viser le torse. Vise les artères. Ah, la jambe là. L'artère fémorale. Mais c'est pas possible. L'artère fémorale. Non mais aïe. Fais ça bien. Écoute, j'essaie d'être une victime. Ah, et j'essaie d'y mettre mes miens, mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ah! Bon, écoute, vas-y, poignarde-moi le cul. Ouh, au moins ça, c'est la plus fort. Ah! Plus fort, Kata. Bon, très bien. Ça irait plus vite de me suicider avec la clé au niveau de la jugulaire, j'avoue. Je me plante moi-même la clé dans la jugulaire. Très bien. Ok, très bien. Bon, on a à peu près compris le layout de l'école. Problème maintenant, problème subsidiaire. Voilà, problème subsidiaire, brave Jean, c'est que... elle a la clé du local technique. Nous, on ne sait pas où est le local technique. Là, il y a la salle multimédia. Local technique, il était là. Et c'est vrai que c'est intéressant du coup de lui piquer la clé, parce que du coup, on peut aller dans le local technique. Mais j'ignore l'intérêt de faire ceci, hein. J'avoue. Voilà. Bonjour. Book. Qu'est-ce qu'il y a? C'est agréable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches? Très bien. Bah écoutez, au Japon, si une femme tente de tuer, tu la pousses et elle va toute seule dans la cuisine. Ça a le mérite d'être... Meuf, je peux pas éloigner ça... Ouh, ça c'est gratuit ça par contre. Ouh, milkshake. De l'ice tea, frère. On aime. Qu'est-ce que tu... Ah! D'accord, très bien. C'était instantané, j'ai rien vu venir. Ok. Ça va vite, hein. On va y arriver. Je suis sûr, c'est possible. Il faut qu'on apprenne le gameplay. Pour ça, c'est un die and retry infini. Alors du coup, elle me dit, allons à la cuisine. La cuisine est fermée. Ah, il me faut la clé de la cuisine. Tout s'explique.
Tout s'explique. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que toutes les portes sont fermées quand même. Tu vois, je rêve pas. Est-ce que si on essayait de faire le tutoriel correctement jusqu'à ce qu'elle nous fasse une yandere. Attention. Ouh. Salut. Quand même, elle a des fétiches spécifiques, hein. Pas de chaussures, des jambes de japonaise, et elle, l'amour de sa vie qu'elle doit tuer, c'est spécifique déjà comme fétiche. C'est le premier qui pénètre dans le bureau du directeur un week-end. Si ça, c'est pas un lady bonheur pour l'autorité, je sais pas ce que c'est. Meuf, où est-ce que tu m'amènes? Peut-être dans cette salle. Laisse-moi t'aider. Ah! Les lumières, d'accord. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour, nuit. Qu'est-ce que tu cherches, meuf? Il faut faire attention aux chaises. Ah, 8XXX, intéressant. Je peux fouiller aussi? Oui. Tout va bien, meuf? D'accord, je te suis. Je te regarde. Je te suis. Tu me suis? Elle me suit, très bien. Non, parce qu'elle a juste besoin d'un petit peu de rééducation, hein. C'est juste une question de contrer son couteau. Non. De contrer son couteau avec une batte de baseball, brave Jean. Et oui, dans l'analogie, la batte de baseball, c'est ma bite. Bien sûr. Rien du tout. Intéressant. Si je me cache dedans, je pense que ça va l'énerver, donc on va pas faire ça. Très bien, merci. Très gentil de ta part. Elle m'aide. C'est adorable, hein. Mais je sais pas vraiment ce qu'elle fait, en fait. Oh, il y a un 5, là. Mais attends, il y avait un 8 avant. Ouais, je te suis. Pour l'instant, c'est simulateur de marche, hein. On est loin du simulateur de waifu d'horreur, hein. Je pense qu'on va dire adieu au tuto et parce que là pour l'instant elle nous yandere pas des masses, hein. C'est plus le déré que le yand, hein. Quoique. Souille. J'ai craqué. Je regrette rien. Pour l'instant, elle s'est téléportée ailleurs. Et elle ne dit rien. J'ai le local technique. Le local technique se situe... Oula, elle est là-bas. Et là-bas, elle m'a vu. Local technique. Ok, je sais pas où elle est. Je l'entends pas. Elle fait pas de bruit. Elle fait pas de bruit. Ça veut dire très probablement qu'elle sait où je suis. Bien ça. Chier. Ok, tout va bien. Tout va bien. Je viens d'allumer les plombs. Ici, il n'y avait pas de clé, mais il y avait un 8. Où est-ce qu'elle est?
Où est-ce qu'elle est? Elle rôde. Fermée à clé, fuck. Et là, il n'y avait rien, on est d'accord. Ça mène où, ça? Ah! Un masque de Jason. Pour l'instant, je l'entends pas. Je ne... Oh, chier! Elle me voit! Elle me voit! Elle m'a vu! Elle m'a vu, ça c'est vu! Fly you fool, je fly! Planqué. Oui, il y a que deux étages. Il y a le rez-de-chaussée et l'étage. Là, on n'a plus qu'à attendre que la waifu se tire. J'entends ses petits petons. Elle sait que je suis là. Chier. Elle sait que je suis là. Ah, elle veut le suc, hein. J'entends ces petits pas qui font peton. Bon, en attendant, moi je sors à Pepsi. Oups. Bouc. Ah, ah, chier. Quelle chiennasse! Aïe. Ça pique. J'ai essayé d'ouvrir le comment ça s'appelle? D'ouvrir le truc sur sa gueule. C'est un échec. Hein. Bon, j'essaie d'ouvrir les portes principalement parce que... Elle est là. Elle m'a vu. Le problème, c'est qu'en fait, je laisse du sang partout. Salle de réunion. Tout est fermé. Quel enfer que tout soit fermé. Et ça, c'est supposément le tutoriel. Hein. Putain, il y a un toit. Eh. Ok, très bien. Elle est persuadée que je suis caché. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle ne sait pas où je me trouve. Un. D'accord, très bien. Bon, elle est pas très loin. Et je sais pas où je suis. Elle sait pas où je suis. Donc il y a XXX1. Chier. Ça a changé Koikatsu, hein. J'avoue. Salle multimédia, elle est fermée. Je
pense que là, elle me voit pas. Local technique, y a plus rien à y faire, j'ai allumé les plombs. Bob, tu peux pas récupérer la clé dans la cuisine. Si seulement je savais où... Enfin, si seulement je me souvenais où se trouve la cuisine. Si seulement j'avais écouté durant mes cours de... Mes cours d'économie. Alors, elle est là-bas. Ça, c'est quoi, cette pielle-là? Cafétéria. Couloir B. Elle est là, elle est montée à l'étage. Hein. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Un 3. Donc c'est 8, 3, quelque chose, 1. Si seulement je savais où se trouver... Oh! Bureau du directeur. Ça, attends. Ah putain, si c'est ça, hein. Il me faut donc la clé du directeur. Mais quant à savoir où se trouve cette clé à la con, bonne chance, hein. Oui. Donc t'as tout l'étage qui sert à rien. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je retourne aux cuisines. Et là, il y a un 9. Ah ah, on a le code complet. Avec le premier chiffre qui est soit un 8, soit un 5. Donc 8, 3, 9, 1. Ou 8, ouais, 8, 3, 9, 1. Ou 5, 3, 9, 1. Salle multimédia, je peux en profiter pour bourrer le local à cuisine. C'est la cafétéria, ça. Il est où ce local à cuisine? C'est des chiottes. C'est des chiottes. C'était juste avant la cafétéria. Merde. Du coup, ça colle pas du tout. Avec Miss Catin que j'essaie de semer. Vous sentez essoufflé, qu'est-ce qui se passe? Ah! Est-ce qu'elle m'a jeté du gaz? Putain, maintenant que je tousse en plus, elle me détecte trop facilement. Ah là là là, c'est pas possible. Il faut que tu t'en remettes, mec. Mec, il faut que tu t'en remettes. Vite. Oh, la limonade. C'est un. J'ai C1. Ah, mais je suis en train de crever. Ah, il faut que tu t'en remettes, je t'en supplie. C'est le décès. Ah, ah. C'est trop chaud. Ah. Ah, Zermi, quelle misère, c'est pas grave. Bon, puisque nous avons complètement échoué le mode facile, où elle est encore relativement acceptable, et là elle a des chaussures alors qu'en vrai c'est de la pub mensongère, elle en a pas, essayons le mode normal,
et faisons-nous mutiler, braves gens. Let's go. Débutez l'introduction, vas-y. Bonjour. Oh, la coquine. C'est du ketchup sur ton couteau, je suis sûr. Alors toi, peut-être non, mais le couteau... Lui le fera. Luis Ferra, le frère de Manuel Ferrara. Ne tombez pas amoureux, c'est un piège. Voilà le piège. Vous valez mieux que ça. Oh mon dieu. C'est une futa. Ah non, c'est bon. Ah. Ok, est-ce qu'on peut jouer à qui détache l'autre? Ah non, c'est pas cool comme jeu ça. Oui, vas-y! Tue-le, je m'en bats les couilles! La traîtrise. Eh ben... Nous voilà... Aïe! J'allais dire nous voilà libres, mais... voilà. Vous devez rétablir le courant dans le local technique. Fuck! Utilisez. Vous n'avez aucun symptôme. Très bien. Utilisez. Très bien. Trouve le code. La clé de sortie est dans le coffre-fort. Trouve le code pour sortir. Ok, très bien. Au moins là, ça le mérite d'être un peu plus clair et un peu plus simple. Y a pas de clé ici, y a rien. On va peut-être partir. On peut pas partir. Chier. Chier, chier, chier. Ah ah. Bureau du directeur. Fantastique. Elle a laissé la clé sur place. Elle est dans la zone. Elle ne sait pas où je suis. Elle me provoque. J'ai rétabli le courant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle maintenant, c'est qu'il faut que je trouve les clés sans tomber sur la meuf. Elle est juste en dessous de moi.
Elle est juste en dessous de ma position. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures. Elles vous protègent contre les éclats de verre. Fort bien. Putain, elle est là. Elle est juste là! Tout va bien. Donc là, elle essaie de te faire croire qu'elle sait où je suis. Alors qu'en vrai, voilà, elle en sait rien. Elle m'a attendu comme une débile. À l'autre bout du couloir. L'erreur. XXXX, il n'y a donc rien ici. Merde. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Ah putain, il y a ce local à chaussures que j'ai pas regardé. Rien du tout. Rien du tout dans cette pièce. Glorieux. C'est bon. Par contre, elle a arrêté de nous parler, donc ça se trouve, elle nous observe. Et elle sait où je suis. Et je vous cache pas que ça génère en moi de grandes inquiétudes. Rien là-dedans. Rien là-dedans. Rien là-dedans. Peut-être dans ce placard à balai. Pas de code. Oui, oui, oui. Pour l'instant, elle prétend quand même punir. Cette porte est fermée B3. Ça se trouve, elle était à l'étage tout ce temps. C'est pas le cas. Pas de code ici. On peut pas ouvrir là d'ici. Quel enfer. Pas de clé. Putain, mais pas de clé, 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 pas de clé. Mais quel enfer! Alice au pays du couac, quoi! Bon. Ah, c'est pas le nouveau Resident Evil, mais c'est mieux. Hein. Une clé! Enfin! Enfin! On progresse. D3. Pas de code. Dans notre. Bon. Elle est sur la droite, sans doute. Là, je suis en A1. Parce que je sais pas où se trouve la ligne D, si tu veux. Au secours. J'ose pas sprinter. Oh shit! Est-ce qu'il fallait monter ou descendre? Il fallait descendre. Chier! Oh, c'est bon! Qu'est-ce qui... Bah alors? Ah? Eh? C'est ça, ouais, pardonne-moi pas! Moi, je me bats les couilles! Je me bats les couilles! Alors, attends, c'est où? D1! Merde, le problème, c'est qu'elle m'a entendu sprinter. Donc, elle va savoir que je suis là. Mais j'ai la clé pour D3, si tu veux. Allez, D3, become human. Bon. Dans l'immédiat, elle a l'air de m'avoir perdu. Et elle est pas dans les escaliers là, ce qui fait que j'ai une chance, si je cours pas, de rejoindre le D3.
J'entends ces petits petons. J'espère juste qu'elle me stalke pas. Elle sait pas où je suis, très bien. Excellent. Ça, elle dit ça quand elle est vexée. 3. Chiffre 3. 3 quelque chose. Clé par ici peut-être. Il y a rien d'autre là. Très bien. 3 quelque chose. Quelque chose. Rien du tout. Elle est à l'étage. Elle est à l'étage, j'ai encore un peu de temps devant moi. C'est pas que je suis là. Elle est à l'étage, tout va bien, tout va bien. Pas de clé, 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 pas de numéro, pas de magie, pas de clé, pas de rien. La Zermie. Très bien, fantastique. Grosse Zermie, on aime ça. On évite de passer près des fenêtres parce que dans ma partie test, elle était assez vénère. Elle pétait les fenêtres et tout, c'était die-hard. Très bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. La clé dans la vitrine, ouais, j'avais vu. Ah, la clé dans la vitrine en D1, putain, j'avais pas vu. Dieu merci qu'il y a des gens qui aident. Sinon, on s'en sortirait jamais. Ah, là, elle m'a perdu, mais elle peut me repérer très très vite. Elle peut me repérer très très vite parce que j'étais dans le coin de la rue là, ouais, forcément. Donc forcément, c'est le baise. Ah, elle est revenue gentille. Mais elle va me demander la clé. Donc la réponse est non, hein. La réponse est non, meuf. Meuf, ça sert à rien. Alors, A1, A1, A2. A1. Ok, donc déjà. Lorsque la japonaise entre dans sa période de reproduction, les chaleurs sont insoutenables. Elle guette sa proie, la traque et ne la laisse partir sous aucun prétexte, jusqu'à ce que le spermatozoïde féconde l'ovule. Si elle rigole, c'est qu'elle sait où je suis. Si elle rigole, c'est qu'elle sait où je suis. Il faudrait que je la perde dans l'autre aile du bâtiment pour pouvoir fouiller à l'endroit confortablement. Parce qu'en A1, il y a la réponse. Il y a une pièce du puzzle.
voilà, ouais. Après, est-ce qu'elle est en mode méchante? Oui, elle est en mode méchante. Elle est en mode méchante, elle est en mode méchante. Elle est possédée. Ça fait un boucan du diable! Putain! Oh, oh, oh. Infirmerie. La clé de l'infirmerie. Bon, j'ai la clé de l'infirmerie. Donc on va sprintax. Je sais pas où se trouve l'infirmerie cependant. C'est ça l'infirmerie? Local technique, c'est pas ça. C'est pas ça. Salle de réunion. Infirmerie, c'est quoi? C'est ouvert. Wap 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 wap. Meuf, t'es sûr ça va? Bouc. Gaz, gaz, gaz! Il faut que je moleste ma femme! Ma femme qui veut me tuer avec un couteau! Bon. Est-ce que j'ai de quoi aller en A1? Ça c'est B1. Il faut que j'aille en A1, on se souvient. A1 c'est ce que j'ai ouvert. Donc la pièce du puzzle suivante. 5. Donc le chiffre c'était... Je me souviens plus. Ah putain, qu'est-ce que... Oh merde! LOL, c'est Toshiro. Putain. C'est Toshiro. Bon bah mieux vaut lui que moi, hein. Y'a pas de clé ici. Y'a pas de clé. Y'a pas de clé. Où suis-je censé aller? C'est la panique. J'ai pas plus de clés. Il faut que je fouille tous les A. Mais il me semblait avoir déjà fouillé tous les A. Soyons méthodiques. C'est pas fouillé puis c'est pas ouvert. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Oui, je sais qu'il y a l'infirmerie, mais c'est pour gagner des points de vie. Pour l'instant, j'avais pas perdu. Là, j'ai fouillé et apparemment, je l'ai pas trouvé. C'est donc que c'est vide. Donc le A, c'est fait. Tout ce qui est A, c'est fait. Descendons à l'étage en dessous. B3 est fermé à Clex. Il y a la bibliothèque, c'est vrai. Ici, je l'ai fouillé. Donc il manque que B3. Putain. Donc là j'ai un petit peu de marge, pas beaucoup, mais un petit peu. Il y a le local technique, mais... Non, la salle multimédia. J'ai pas vraiment fouillé cette salle multimédia.
Rien du tout dans la salle multimédia, c'est la baise. Local technique, j'en viens. Où est l'infirmerie, putain? Bon, pas de panique. D1, ça a été fouillé. Après, il me restera les C. Ça, je les avais fouillés, les dés. C'est au premier étage, ouais, putain. Putain, il y a des caméras de sécurité. Je vous accorde que je suis pas... Je suis pas paisible, hein. Rien du tout. Parce qu'on peut regarder à travers la vitre, en fait. J'ouvre pas instantanément. Enfin, j'ouvre pas tout. J'ouvre juste ce qui n'est pas apparent, en fait. Rien du tout. Quel zermi! C2 est fermé à clé. Avec B3, je crois, si je dis pas de la merde. Donc ça, ça a été mal fouillé, ok. C'était juste parce que j'étais en panique. Tout va bien. Rien du tout. Bon, bah, c'est bien. Pendant qu'on court... Pendant qu'on court, on peut désespérément chercher l'infirmerie. Local technique. C'est peut-être dans l'aile droite, en fait. Genre, ça mène où, ça? C'est la cuisine. Il y a une clé, là, dans la cuisine. Pas de clé dans la cuisine. Très bien. La cafétéria. Ça aussi, il faudra fouiller. Ça, c'est les A, on les a faites. Très bien. Ouais, forcément, elle me voit. Petit. Suis, meuf. Ah, t'es gentille. T'es gentille. Bouc. Je fais exprès de partir à droite en faisant du bruit. Alors qu'en fait, je vais à gauche, à l'étage. Le bureau du directeur est ouvert. Rien du tout dans la bibliothèque, c'est l'inquiétude. On a enfin ces deux. Let's go! Let's go! Je sais toujours pas où est l'infirmerie, hein. Couloir A. Elle me voit, c'est bien. Bon, tant pis. Tant pis. De toute façon, C2 est de l'autre côté. C2 est de l'autre côté. Par là. Et là, je la feinte. Parce qu'en fait, j'ai sprinté vers l'escalier. Mais je me suis décalé. Wop. Et bah, j'ai jamais vu où est-ce que t'étais. Hein. C'est fort. Non.
fous-moi la paix, j'ai dit. Meuf. Aïe, 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 aïe. Ah. Donc là, il devient essentiel que je trouve l'infirmerie. Cette infirmerie qui est à l'étage, mais que je ne sais pas où elle est. C'est deux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Hop, ça, c'est gratuit. On ira voir. On ira voir. Infirmerie, infirmerie. On peut l'utiliser. Elle me voit. Très bien, infirmerie, c'est... D'accord, directement à droite quand tu montes le grand escalier. Enfin, je l'ai trouvé. Eh, mais putain. Là, normalement, elle m'a perdu de vue. Là, normalement, elle m'a perdu de vue. Ça va me permettre de fouiller l'infirmerie et peut-être de pouvoir me soigner. Vous n'avez aucun symptôme. Quel dommage. Ah, putain de merde! Mais, meuf! Aïe! La musique... La musique qui suit pas du tout les actions. Donc au final, j'ai qu'un seul endroit. Putain, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. Infirmerie. Elle est en train de monter les escaliers, peut-être. Oh, la trousse de saut, le premier secours. Ah, oh, putain, aïe, aïe, aïe. Ah. Maintenant. Ah. Ah, attends, c'était quoi la clé, l'endroit que je devais visiter? C2, hein, si je me souviens. Ah, mais elle se TP, je vous jure. Hein. Je vous jure, elle se TP. Et peut-être parce que je l'ai vexé aussi, hein, à force de lui mettre des gifles. Voilà. Fou. C2. C'est l'endroit que je devais visiter mais que j'ai pas pu. Zéro. Donc c'était quelque chose, zéro. B3. C'est 3500 zéro quelque chose. Enfin, 3500 quelque chose zéro. B3, ça devrait se situer en dessous là. Voilà, donc là elle s'énerve, mais c'est pas grave. Très en colère. En même temps, je comprends, hein, je lui ai mis un peu la max. Hein. Moi, à sa place, je serais vexé pareil. 4! 3540. Et je sais même pas pourquoi je suis encore en train de fouiller les tiroirs alors qu'en fait, on s'en bat les couilles. Trois mille cinq cent quarante.
Alors, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ouais, meuf. Elle a l'air de m'avoir perdu. Elle a l'air de m'avoir perdu. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Et là maintenant, on va renverser les tables. Je vais aller chez elle. Je vais m'infiltrer par une fenêtre. Je vais piéger toute sa maison. Quand le soir elle va rentrer ensanglantée partout, déçue d'avoir perdu son homme, paf! Petit garçon purifique. Et quand elle se réveille attachée à sa chaise, enfermée chez elle dans son petit appartement de coq japonais et que personne ne la trouvera jamais, là c'est la max Elle va tout prendre mon gars. Elle va tourner 17 GAV. La max. Oh putain. Elle va tout prendre, ça va être la max. Mais pouah! Oh là là là, la victoire totale, c'est beau. Est-ce qu'on peut juste tenter une partie très rapidement? Très rapidement, attendez, débuter l'introduction, pardon messieurs. Menu principal, juste pour voir Orion Guéret, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Très bien. Wouah, c'est pas du tout les mêmes ambiances. C'est pas... C'est pas du tout les mêmes ambiances. Les pages sont blanches. Écoutez, je teste juste un petit coup. On va mourir sans doute comme des caca, mais... Oh! C'est 0% les mêmes ambiances. Elle sait que je suis là. Elle sait 100% que je suis là. On peut pas lire le panneau. Il faut obligatoirement remettre la lumière. Zarma. Et par contre, elle a pas l'air d'avoir de mode gentil, hein. Elle a l'air d'avoir le mode méchante et le mode méchante, si tu veux. N'hésitez pas à le tester vous-même, ce jeu. Hein. Il y a apparemment une flopée infinie de petits easter eggs et de programming et de trucs comme ça qui fait que moi, je suis content parce que j'ai réussi, si tu veux. Mais en vrai, c'est censé être plus laborieux. Hein. Et voilà. Rien du tout, putain. Cette zermie sexuelle. T'as les vieilles chaises qui bourrent ma route. Je veux pas descendre du coup, ça veut dire qu'elle est là. Bonjour madame. Putain non mais c'est ça en plus, c'est la musique du cirque. Pa 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 pa.
Circus afro, circus afro, pump it up, afro. Elle te perd pas. Elle m'a vu. Hein. Écoute, je m'offre à la sainte waifu. Aïe, ah. Bonjour. Je m'offre. Sainte waifu, je m'offre. Aïe, 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 d'accord. Elle est complètement possédée. Elle est possédée, mais elle est bien habillée. Hein. Afro. Ah, aïe. Mais... Ouah. Les waifus qui fait des plongeons. Elle tente des doskoy. Elle est possédée. Quelle angoisse. Par contre, pour la semer, c'est infaisable. Elle te lâche jamais. Excusez-moi. Je tape un putain de sprint. Oh, chier. Ah ah. Ah, ouch, bien joué. Ah la vache. Oh non, c'est... Oh la vache. Oh magnifique. Ah non mais c'est très bien. Je vous laisse faire. Vas-y. Allez, bonne nuit. Étrangement, c'est plus marrant et moins sexy quand tu sais que c'est juste la musique du cirque en mode. Non mais Anguirre par contre, voilà, c'est complètement craqué. Hein. Voilà, Saiko no Sutoka, braves gens, si vous aussi vous sentez la faiblesse d'être seul. Attends une seconde. On revient, remonte. Il y a peut-être moyen de faire un truc cool. Elle dit que je vais me punir parce qu'elle sait pas que je suis parti. Mais là, en fait, attention, c'est le pif. Je ne peux pas. Ah, d'accord, carrément, tu commences comme ça. Ah! Oh, mais c'est rien, Choupette, c'est rien. C'est juste un coup de couteau. Fort aimable. Oh, quel waifu, c'est adorable. Ouvre la porte. Ouch. Mais... allez, fais-moi l'amour. C'est tellement craqué. Ah, elle a mis du verre pilé. Forcer la porte. Elle veut pas me laisser sortir. C'est adorable. Et elle vient, elle s'excuse. Oh, il est pas adorable, il est pas mignon. Aïe, aïe, aïe. Excuse-moi, j'étais occupé à marcher sur du verre. Oui, bah il était là, ouais. Ouais, bah forcément. Vas-y. Ah, j'arrive pas à mettre fin à la vidéo. J'ai envie de voir ce qu'elle est capable de faire, si tu veux. Eh, mais je te vois, Choupette, je te vois. Dommage qu'il n'y ait pas de miroir ou de reflet, si tu veux. Voilà. Puis elle s'accroche. Mais. Ah. Oh. Oh, c'est tellement gentil de sa part. Viens avec moi, voilà, c'est ça. Viens avec moi dans les escaliers, meuf. Les escaliers.
Les escaliers. Les escaliers. Book! Oh non! Tant pis, j'aurais tenté. Impeccable. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas en tout cas la cloche, le pouce bleu, de suivre le Twitch et de... Mais elle me tue même pas. Oh mais quel amour cette femme, quel amour. C'est toujours les femmes les plus adorables qu'on maltraite en... Terrible. Terrible, terrible, terrible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez zou. Ah, est-ce qu'elle me pousse dans l'escalier, ouais. Tu me pousses dans l'escalier, meuf? Voilà, c'est ça. Meuf, est-ce que tu me pousses dans les escaliers? Vas-y. Ah ouais, d'accord. J'avais un autre type de faciale en tête. Gros bisous à tous et à la prochaine, allez zou.